Attention à mon commandement. Pas de sémafoutisme. Chacun derrière son quelqu'un. Greffier. Dégâts. Suite à la sortie. Catastrophe. Qui était? Pimenté, hein? Et bien sûr. Dosé même. Enrobé de. Gaz crémolasé. En provenance du. Yémen. Dans l'auteur de la chanson fracassante. Et bien sûr. Yaka Yaka de Paris. Et donc, à ce soir, Swarta qui sortise, il a décidé de demander pardon et par la suite, s'expliquer. Laissez-moi deviner. Si je mens, je me punis. Le cri de guerre, s'il te plaît. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Équilibre. Bâtis-toi. Toi. Bâtis-toi. Toi. Bâtis-toi. Toi. La partie peut commencer. Alors, première question fulgurante à effet immédiat et immédiate. Yaka Yaka, dis-nous. Yubiou, qui es-tu? Je sais que je ne suis pas celui qui insulte les femmes. Laissez-moi deviner. J'insulte les femmes qui m'insultent. Bien. Je tenais d'abord à m'excuser par rapport à ma vidéo qui a choqué le monde entier. Absolument. Parce que c'est toujours comme ça. Quand on m'insulte en cachette, quand on m'insulte, ça passe crème. Laissez-moi deviner. Mais mon volume est plus fort que ceux qui sont censés avoir les 15 000 abonnés quand ils sont 15 000 vues quand ils sont en direct. Splendid. Moi, je n'ai pas 2 000 vues. Mais quand je crie sur quelqu'un, ça s'entend dans le monde entier. Tout le monde entend, tout le monde en parle. C'est pour ça que souvent, certaines m'insultent. Je les regarde, je ne dis rien. D'accord. Poursuivons. Je ne viens pas demander pardon à la personne concernée. Non, loin de là. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit demander pardon d'abord, là, c'est eux, c'est pas moi. Ce garçon est incorrigible. Parce que c'est pas moi qui suis allé faire doigt d'honneur. Je vais inviter des gens pour me faire doigt d'honneur. Bien. Ah donc, si je comprends bien, tu es venu présenter tes excuses à toutes les femmes qui ont été choquées, estomaquées et vexées par tes propos. C'est bien cela. Je demande pardon aux femmes qui me suivent, qui sont sur ma page, qui ont été choquées par mes propos. C'est à celles-là que je demande pardon aujourd'hui. Bien. Parce qu'elles se sont senties indignées, parce que ce sont des femmes. Elles se sont dit quoi, j'insulte une femme comme ça, c'est que ce sont elles que j'insulte. Mais non, ce n'est pas vous que j'insulte, parce que vous connaissez vos places. Bien. À présent, dis-nous. Donne-nous exactement quelle est la définition étymologique de la phrase suivante. Doigt d'honneur. Doigt d'honneur, là. Ça veut dire que tout le monde met son doigt dans mon anus. C'est ce que ça veut dire. Ça va un peu loin, là. Arrivé à mon nom, on me fait doigt d'honneur. Tout le monde fait doigt d'honneur. Laissez-moi deviner. Ça n'a choqué personne. Tout le monde est d'accord avec ça. Il a fallu que moi, je sorte pour venir donner réponse de leur doigt d'honneur, là. Pour que tout le monde soit choqué. Absolument. Quand une femme se permet de faire doigt d'honneur à un homme chez elle à la maison, là, ça c'est normal. Impossible. Moi, je suis un homme, je ne suis pas un enfant. Hein, parce que cette dame-là ne peut pas me mettre au monde. Parce qu'elle n'a pas un enfant qui a 40 ans. Impossible. Donc elle ne peut pas me mettre au monde. Je suis désolé. Je suis un homme. Tu ne peux pas me regarder, me faire doigt d'honneur avec les gens. Et puis on me dit, moi, je vais te demander pardon. Et puis jamais te demander pardon. Impossible. Alors là. Laissez-moi deviner. Ce pardon-là, il sera attendu en vain. Je demande pardon à toutes les femmes qui ont été choquées. Oui. À toutes les femmes qui se sont senties indignées. À toutes les femmes que ma vidéo a choquées. Je leur demande pardon. Parce que c'est comme ça que je suis. Ce garçon est incorrigible. Il n'y a pas petite chose dans mon affaire. Quand je sors pour régler mes comptes là, c'est toujours grave. J'aimerais m'entretenir avec toi au sujet de cette erreur. C'est pour ça que depuis un certain temps, vous avez remarqué, je n'insulte plus quelqu'un. J'ai fait plutôt des vidéos de comédie. Concernant ces histoires de porter plainte comme toi, qu'as-tu à nous dire à ce sujet? Ma chérie, c'est dans tes relations que tu connais. C'est pour toi que tu connais. Laissez-moi deviner. C'est pas parce qu'on n'affiche pas pour nous qu'on connaît personne. Hein. Non, c'est pour toi que tu connais. Mais je ne rentre même pas dans ça avec toi. Je t'attends commencer et puis je termine pour te donner. C'est tout ce que je peux te dire. Mais où on allait me faire doigt d'honneur là? Il dit que vous vous réunissez encore pour me faire doigt d'honneur. Je te bats beaucoup dans la paix du Seigneur. Ce garçon est incorrigible. Vous vous réunissez chez toi encore pour organiser droit d'honneur. Parce que voilà ça, hein. C'est pas moi qui ai dit. Attendez, c'est pas moi qui ai dit. Oh. Vous avez organisé ça. C'est un truc que vous avez organisé pour me faire, pour me provoquer. En tout cas, moi, je ne parle pas pour les autres. Nous, on savait que tu allais sortir. Ma voix. Ok. Dans la bouche. Il n'y a pas de poumons. Moi, je savais que tu allais sortir. D'accord. Je savais que si tu faisais ça là. Ok. Tu allais sortir. Si elle me faisait droit d'honneur, j'allais sortir. Hein? Et puis tu as réalisé. Voilà. Tu as fait ce que j'attendais de toi. Parce que je te maîtrise. Okay. C'est moi qui te dirige. C'est moi qui j'attrape ta télécommande. Quand je veux que tu pètes, tu pètes. Maintenant, pourquoi vous êtes étonné?
Pourquoi vous êtes choqué? J'ai pété maintenant. Il y a pas l'odeur. Il y a fait quelque chose tout de suite. Vous allez voir, il va sortir comme ça. J'ai dit, attendez, hein. J'ai fait quelque chose tout de suite. Vous allez voir, il va sortir comme ça. Tu as dit que tu as dit ça dans la maison, devant la maman. Tout le monde t'a écouté, tout le monde t'a entendu. Et personne ne t'a dit, il ne faut pas venir faire ça dans ma maison ici. Personne ne t'a dit, ma chérie, provocation que tu veux commencer chez moi ici. Il ne faut pas venir faire ça ici. Attends, quand tu seras chez toi, tu vas faire ça. C'est ce qu'elle est en train de dire. De toute façon, il frappe trop. Toi, tu as insulté. Toi, quand tu insultes, quoi, ça fait rire. Mais là, riez. Rions alors. Pourquoi vous criez au scandale? Parce que quand tu insultes, c'est rigolo. On rit. Rions alors. On parle aux gens. Hein. Ah bon? Ah, mais tant mieux. Mais tant mieux alors. On dit donc, où est-ce que tu es? Les mamans ne soient plus choquées. Enfin, tu n'as rien fait. Ou bien? En tout cas, moi, je vis. Vous vous attendez à ça? Il m'attendait à ça. On s'attendait à ça. On a organisé, j'ai dit à tout le monde, attendez, on fait quelque chose. Folie va le prendre, il va venir nous insulter tout de suite là. Ça a été organisé, hein. Ça veut dire qu'elles m'ont provoqué exprès pour que je sorte pour les insulter. Maintenant, pourquoi tout le monde est choqué? Brillant. Absolument brillant. La dernière fois là, j'ai fait 5 minutes en Chine seulement. La prochaine fois là, c'est 1 heure en Chine, j'ai fait. Ce garçon est incorrigible. Écoutez un peu bien cette partie là, écoutez très bien. Ça, c'est ses 200 euros. Il cherchait ses 200 euros depuis. D'accord. Il dit, Edwige, où est-ce que c'est galère? Facebook me donne 200 euros seulement. Facebook me donne 200 euros. C'est 200 euros seulement que Facebook me donne. Il faut que mon engouement. Aussi, Bravador le mentait. Il dit, il regagne 19 millions. Il faut que je m'arrange à ce que mon frère fasse les 9000 vues à chaque direct. Il faut que je m'arrange à ce que mon frère fasse les 14000 vues à chaque direct. Il faut que je m'arrange à ce que mon frère fasse les 12000 vues à chaque direct. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Bon, il y a un gars là-bas, il est assis là-bas, il passe son temps à insulter toutes les femmes qui existent sur la terre. Ils ont pensé à moi. Comme son frère a des problèmes d'argent, du coup, ils ont pensé à me provoquer pour que je les insulte, pour qu'ils viennent se victimiser, pour avoir de la visibilité, pour que Facebook les paye parce que nos pages sont monétisées. Brillant. Absolument brillant. Est-ce que vous comprenez un peu même la machine machiavélique qui a été mise en place, qui a été orchestrée par ces personnes-là? Et c'est nous qui sommes les mauvais. C'est ça. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.